ババリー真由美さんという方が日本語の教師としてモンゴルに来た時に、彼女が教え子なんですね。で18年前に来た時から、その日本とモロッコの架け橋となって、文化を交流事業を少しずつ進めていきたいという話を聞いていたんですけども、今回去年ですね、去年斉藤さんモロッコに行って太鼓指導してもらえませんかと、曲を持って行って曲指導はできませんかって言ったらいいよって。Babali Sensei qui habitait au Maroc et qui a enseigné le Japon au Maroc, qui est revenu au Japon et qui lui a raconté le Maroc et comment elle voulait aider en continuant les liens et apprendre la culture aux Marocains. Elle lui a demandé de venir pour enseigner le taiko, il a accepté. Est-ce que si on lui demandait de revenir l'année prochaine, est-ce qu'il fera cette refera cette expérience ? Il va se faire. Alors, maintenant, le Maroc, Alors, bien sûr qu'il reviendrait. Maintenant, le Maroc est un pays qui se développe, qui va vers l'avant. Et il veut que les Japonais, les Marocains fassent cette expérience. Donc, bien sûr que si on l'appelle, il viendra. Ah non, non, que ça. 9歳、OK、よろしく。On a créé cette association pour plusieurs raisons. La première étant qu'après Corona, tous les volontaires japonais qui étaient au Maroc étaient rentrés et qu'on avait à ce moment-là plus d'activités japonaises. Alors, on n'avait plus d'activités japonaises. Il y a un examen qui a lieu tous les ans, qui est le JLPT, Japanese Language Proficiency Test, qui permet aux gens de connaître leur niveau et capacité dans la langue japonaise, qui a aussi été arrêté. Donc l'association est venue d'abord pour la continuation de tout ce qu'on avait nous appris, les jeunes marocains de ces volontaires, et pour remettre à l'ordre du jour le concours d'élocution en langue japonaise, l'examen de langue japonaise, et pour ajouter d'autres activités. Il est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup d'événements de culture japonaise, mais ils se concentrent essentiellement sur la culture récente, Akihabara, les animés, les mangas, etc. C'est quelque chose d'important, effectivement, au Japon, mais je pense, étant quelqu'un qui aime énormément la culture traditionnelle japonaise, le Japon, tout comme le Maroc, ont une histoire, et c'est cet élément qui n'est pas souvent sous le feu de la projection que l'association est là pour essayer de mettre à jour. Très bien. Comment on peut, à combien on peut estimer le nombre de Marocains, d'étudiants qui parlent la langue japonaise ? Alors, les cours enregistrent au Maroc en total environ 600 étudiants par an. Ça, ce sont les chiffres avant Corona. C'est vrai qu'après Corona, on a l'impression que les cours se sont arrêtés, mais beaucoup sont passés en ligne. Donc, je pense qu'on est sur un millier de personnes qui étudient le japonais au Maroc. Très bien. Et aujourd'hui, pourquoi cet événement au mois d'août ? On est le 13 ou le 12. Alors, pourquoi en août ? C'est-à-dire que pour que qu'on ait quelque chose d'original, j'ai demandé à ma prof Mayumi Babali Sensei de venir. Et donc, elle a réussi à convaincre d'autres amis à elle de venir. Et c'est en été qu'il pouvait prendre des vacances parce qu'il travaille énormément. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec un événement en été. C'est là où des personnes pouvaient prendre des vacances pour venir travailler et nous aider ici. Donc, ce n'est pas forcément des vacances pour eux. Très bien. Pour juste un rappel, oui. La dame que vous venez de citer était une ancienne professeure ici au Maroc, oui. Et qui est repartie au Japon. Et oui. Aujourd'hui, vous l'avez
fait revenir, solliciter pour vous aider à construire cette cérémonie. Oui, Bavali Sensei fait partie de la région de... Alors, elle est originaire de Fukushima. Donc, après le problème de Fukushima, il est revenu aider sa famille. Mais le lien ne s'est jamais cassé. Donc, avec les autres volontaires, d'ailleurs, Wakamatsu Sensei, qui est aujourd'hui ici, était volontaire aussi de la JICA et nous a enseigné ici à Rabat également. Donc, ces personnes-là, on a toujours gardé le lien. À chaque fois qu'on va au Japon, on les contacte, moi et tous les autres senpai. Même chose, quand ils viennent ici, ils nous contactent et ce lien, on essaie d'utiliser ce lien aujourd'hui dans l'association pour essayer d'approfondir la connaissance de la culture des Marocains, de la culture japonaise. で、日本語を教えてた時に皆さん学生でした。その学生がこれだけ立派になって、日本人がいないときも日本語を守ったり、日本のコミュニティを守ったり、そして日本文化を守ってくれて、それが皆さん協力してこのような絵画ができてとっても嬉しいです。 Donc, alors quand elle était ici, on était encore tous étudiants et le fait d'être revenu là et que tout le monde soit aussi grand, mais que tout le monde est en train de préserver ce qu'elle a enseigné, la culture japonaise, la langue japonaise et faire ces événements la rend très 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 heureuse. やりたいと思います。そこには皆さんの協力と理解が必要ですね。日本の文化を広めたいって思う人とか、モロッコで、日本でモロッコの文化を広めたい、いい文化の交流ができるように、今まだ少しずつスタートしてるので、将来はみんなで力を合わせてしたいなと思ってます。 Oui, elle voudrait absolument faire ce genre de choses, agrandir les relations. Actuellement, on n'y va pas par pas, mais c'est avec un grand plaisir qu'elle voudrait faire en sorte, avec tous ensemble, avec la coopération de tout le monde, agrandir ce genre d'événements. بالنسبة لجبتني هي البنت ديالي حسنة حمان هي أرتيست رسامة مشبتة أو لا نقولوا مشبعة بالثقافة اليابانية والثقافة اليابانية أطرت وصلت للمعاقين اللي هي قدرت تجي الحضور ديالها اليوم هنا معنا واش تسمع واش تدوي وكيفاش تتصلي معها حسنة هي ما كتسمعش وما كتهدرش ولكن عندها الذكاء البصري هي تعلمت بوحديتها كترسم المانجا وكترسم في البيسي وكترسم بيديها وهي كيعجبها كل ما هو ياباني على ما ترميش الزبال كيفاش تتعامل كيفاش تكون فاعله في المجتمع يعني عندها واحد القوه من الثقافه ديال اليابان اذا وبالنسبه لنا العلاقه اللي خلاتنا نتواصلوا معهم هي عندنا شراكه ما بيننا وبين السفاره اليابانيه حنا في ذوي الاعاقه بنوا لينا واحد الجناح ديال السونتر ديالنا اللي هو كاين في سيدي موسى في سلا ودابا عندنا تقريبا شي 130 دري اللي كتستافد في هذاك لي سونتر اللي عندنا باباك وماماك هما اللي شجعوك باش دير هاد النشاط هذا ديال الموسيقى الجابونيه لا انا بوحدي بوحدي علاش طاحت لك في البال هذه تنشوف ومتى تعجبني بزاف ما عرفتش جاتني هكا بحال اذا من هنا للقدام غادي تهتمي بالثقافه وباللغه الجابونيه اكثر من دابا شنو غتعلميها مزيان بيان سور Raconte-nous, pourquoi tu as choisi cette activité artistique ? Parce que j'ai aimé la langue, et en regardant surtout les animes, mais je ne comprenais pas la langue, alors je me suis dit, peut-être que je vais apprendre à l'avenir. Moichido ! Ok ! Seno ! Ok ! Allez ! Arigato !